On a besoin de faire de la recherche de fonds parce que nous sommes financés pour le budget d'exploitation, donc pour la vie quotidienne. Par contre, pour tout ce qui est extraordinaire, on a besoin de fonds que nous n'avons pas. Je coordonne les relations publiques pour une fondation qui accueille des personnes adultes polyhandicapées. En fait, le CAS m'a permis d'envisager une approche sur du moyen et long terme, ce que je ne faisais pas forcément avant. Avant, c'était vraiment un one shot. J'allais voir un bailleur de fonds et je disais, ben voilà, on a besoin de temps pour ce projet. Je pense que le CAS va vraiment me permettre de pouvoir dire, voilà ce qu'on fait cette année, voilà ce qu'on a prévu de faire l'année prochaine, ce qu'on a prévu de faire d'ici 3, 4, 5 ans. Tout ça avec un fil conducteur et puis de pouvoir dire, ben voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour nous suivre, mais pendant ces 3, 4, 5 ans. Je pense que ça, c'est une approche vraiment différente. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les bailleurs de fonds sont demandeurs de ça. Fundraiser, c'est un métier. Ça s'apprend en faisant une formation comme celle-ci. C'est vrai que de voir qu'il y a une méthodologie, il y a une manière de se simplifier la vie pour travailler, ben voilà, moi, je retiens surtout ça. C'est de pouvoir faire la même chose en manière un peu plus rapide.